Merci Violaine. Merci aussi à Nathalie d'avoir voulu présenter ce travail qu'on a initié. Pour le moment, il y a un an, on ne se connaissait pas, on ne savait pas qu'on travaillait dans la même université. Et puis, on a eu l'idée de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. On s'est dit, on a ce point commun, c'est de la transdisciplinarité, au sens où on a deux disciplines qui ne se parlent pas forcément. Et il y a un point de convergence, et donc on va essayer de voir ce que l'une et l'autre peuvent s'apporter mutuellement. Donc, et merci à Violaine et puis à François Bon et d'avoir permis l'organisation de ce colloque qui nous permet de nous retrouver. Donc oui, je vais vous parler d'une expérience qui est à la fois une expérience de recherche et de création littéraire. Et je précise pour l'intituler création littéraire, parce que Claude Pérez est là et qu'il a une part dans cette aventure, qu'au départ, il ne me contredira pas, le poste était profilé, et Violaine aussi a une part dans cette histoire, et je crois qu'elle s'en souvient, c'était littérature française du XXe siècle et, entre guillemets, atelier d'écriture. Et donc, un petit peu de mon propre chef, j'ai pensé que, atelier d'écriture, qui était entre guillemets, donc peut-être pas totalement assumé par la fiche de poste, un petit peu, timide et avec une conscience que ce n'était peut-être pas de cela dont on parlait, méritait d'être transformé et assumé comme étant de la création littéraire. Donc, je vais vous parler de deux projets d'écriture et de recherche, le plus important étant celui qui concerne ce qui est actuel, ce qui est devenu, je vous l'expliquerai, mon travail d'HDR, que j'espère soutenir dans un an, autour de Proust. Et puis un autre travail qui, a priori, n'avait pas de rapport avec la recherche, mais dans le poste, il y avait aussi la nécessité de s'intéresser à la littérature du XXIe siècle. Et donc, j'ai juré sur les reliques de le faire, et du coup, je le fais. Je vais vous en parler. Alors, je voudrais situer cette intervention. Essayer de mettre en perspective notre réflexion sur la recherche et la création, et particulièrement la création littéraire, dans le contexte des études de lettres telles qu'elles existent en France aujourd'hui, et notamment de ce qu'on appelle la crise de ces études de lettres, c'est-à-dire une certaine désaffection des étudiants, une baisse des effectifs, des doutes quant dont on a parlé, quant au débouché de ces formations. Et il y a un livre auquel je voudrais me référer, qui est de Dominique Minguenot, qui s'appelle « Contre Saint-Proust ». Alors le titre lui-même justifie tout le livre. Mais ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est qu'on y voit le théoricien de la littérature, en tout cas un théoricien assez important de la littérature en France, exprimer son désarroi devant la situation des études de lettres et être incapable de le penser véritablement, et un sentiment de chaos debout qui est celui de beaucoup de nos collègues. Et j'ai remarqué que ce livre se termine quasiment dans les toutes dernières pages sur une affiche qui annonce un atelier d'écriture et sur laquelle Minguenot est incapable de dire quoi que ce soit. C'est-à-dire, on comprend qu'il y a une certaine critique à l'égard de cette pratique-là, et en même temps, la critique explicite ne vient pas, et en tout cas mon impression est qu'il ne savait pas quoi en faire. Et je pense que ce désarroi vient de l'absence de prise en compte par le théoricien de la pratique. C'est-à-dire que si c'est un petit peu une poule qui a trouvé un couteau, c'est que précisément le couteau est d'un domaine qui lui est totalement inaccessible parce qu'il est du domaine de la pratique. Et l'autre texte que je voudrais citer, c'est un ouvrage d'Andrew Finberg qui s'intitule en français « Repenser la technique » et qui met en évidence la difficulté qu'il y a pour la pensée à penser la technique et accepter que la technique la pense et qu'elle pense le langage. Et je pense que dans certaines réactions qui a suscité l'intervention de Nathalie, il y a de cela, je pense que dans les résistances qu'on a pu rencontrer face aux ateliers d'écriture ou qu'on rencontre encore face à l'enseignement de la création littéraire, il y a cette difficulté à accepter qu'une technique, qu'un regard technique, voire technologique, s'empare d'un objet comme celui du langage ou de la pensée. Et je voudrais donc essayer de réfléchir à ces deux aspects, d'une part la crise des études de lettres et la dimension, l'opposition entre pratique et théorie, ou en tout cas la difficulté pour la théorie de penser la pratique, et ensuite
la difficulté de penser l'articulation entre pensée, précisément, langage et technologie. Et je voudrais envisager quatre manières d'aborder l'articulation entre recherche et création à partir de mon expérience de chercheur et de mon expérience aussi de personne qui écrit, qui est amenée comme tout chercheur d'abord à écrire et puis comme tout un chacun à avoir des idées d'écriture qui ne soient pas seulement académiques et qui aillent vers une création. Alors le premier aspect de cette articulation entre recherche et création, je l'ai rencontré dans mon travail de généticien. Quand on regarde l'édition des brouillons de Saint-Jules, de la légende de Saint-Julien l'Hospitalier de Flaubert, on se rend compte que Flaubert aurait pu peut-être soutenir une thèse sur le Moyen-Âge, compte tenu de la quantité d'informations que sa recherche sur le Moyen-Âge pour écrire ce texte qui est relativement court, cette nouvelle, l'a amené à compiler. Et on peut prendre Saint-Julien l'Hospitalier comme une thèse sur le Moyen-Âge, et comme une thèse sur la littérature du Moyen-Âge, comme une thèse sur la religion, et même comme une thèse sur la religion vue par un homme de l'époque de Flaubert. Donc, voilà, ça c'est un aspect de l'articulation entre recherche et création qui remonte très loin, et je ne crois pas qu'il y ait de création sans recherche. Je ne pense pas qu'il y ait une création littéraire qui soit coupée de cette recherche, et on retrouve l'étape de préparation, par exemple, dont parlait Nathalie. On la retrouve, par exemple, chez des écrivains comme Flaubert, qu'on qualifie en génétique d'écrivain à programme, c'est-à-dire d'abord on anticipe ce qu'on va faire, on le programme, notamment par les recherches et puis par l'élaboration de plans, et ensuite on passe au travail d'écriture. Voilà, ça c'est un premier exemple. J'en cite un autre parce qu'il est... Il est assez drôle, c'est Giono dans son premier texte, qui n'est pas le premier roman qu'il a publié, qui est Naissance de l'Odyssée. Donc on a des traces de son travail d'initiation littéraire qui va lui prendre 2 ans et pour lequel il correspond avec un de ses amis qui est Lucien Jacques. Et on a les traces des lectures de Giono pour ce texte-là et notamment la lecture d'ouvrages savants sur les voyages d'Ulysse. Et puis aussi l'engloutissement que Giono constate, et il dit « oui, j'ai laissé de côté ce livre, il est lourd comme une belge grasse, et comme elle, d'amour un peu fatigant ». Donc c'est voilà la dialectique entre la recherche et la création, c'est aussi qu'à un moment, il faut savoir laisser de côté la recherche pour pouvoir avancer dans la création. Et il est certain que si Giono s'était laissé ensevelir sous sa belge grâce des navigations d'Ulysse, il n'aurait pas mené à bien son texte. Voilà, et puis un petit détail, parce qu'il faut toujours parler de Proust, et que je salue aussi la présence d'Erika Fulop, qui est une amie proustienne, qui a dirigé récemment un ouvrage important sur la jalousie chez Proust. On a une lettre de Proust à Lucien Daudet, qui est son ami, quelques mois avant la parution de Swann, au moment où Proust relit les épreuves. Et Daudet, apparemment, on n'a pas sa lettre, mais il lui fait tout un tas de remarques en lui disant « Oui, mais là, telle fleur ne peut pas pousser à tel moment, dans tel jardin, à tel endroit, etc. » Et Proust lui répond « Mais vous n'imaginez pas, cher ami, combien de jardiniers j'ai consulté, combien de personnes j'ai vues pour différents aspects de mon livre, de façon à ce que les choses soient vraies. » Et sur les fleurs en question, il lui dit « Effectivement, elles ne poussent pas en pleine terre, mais l'on m'a dit qu'elles pouvaient pousser sous serre et être plantées et tenir à ce moment-là de l'année. Donc, les giroflées peuvent bien se trouver en même temps que les jonquilles dans un jardin. » Voilà, pour résumer. Donc, voilà, là, on est dans de la création, enfin, du côté de chez Swann, quand on a vu les épreuves. Et l'ensemble du processus, c'est indéniablement de la création. Quand on a lu le livre aussi, on le sait. Et pourtant, il y a une recherche, et une recherche extrêmement précise et approfondie derrière ce travail-là. Donc ça, c'est le premier aspect. Alors maintenant, j'en viens à quelque chose de plus personnel, et je pense que je vais même vous infliger, en tant que... c'est une sorte d'autogénétique. Je vais même vous infliger mes propres brouillons. Et pour vous parler donc d'un projet... qui m'occupe depuis 1999, si on remonte au point de départ, et plus de façon plus urgente depuis 2009 tout de même.
qui est une biographie d'Alfred Agostinelli, qui a été le chauffeur et le secrétaire de Marcel Proust et le modèle principal d'Albertine dans la recherche. Donc, ce travail-là est né de la lecture d'une phrase dans la correspondance. C'est une phrase de la correspondance de 1915 où Proust demande à une amie de sa mère, Madame Catus, qui habite Nice, d'aller déposer des fleurs sur une tombe. Et il dit « Je ne sais pas où est la tombe au cimetière de Nice ». Et donc, étant niçois, lisant cela à Nice, qui n'avait aucun rapport avec les raisons pour lesquelles je lisais la correspondance à ce moment-là, puisque c'était pour ma thèse qui traitait de la jeunesse de l'esthétique de Marcel Proust, donc rien à voir, je me suis dit « Tiens, je mets ça dans un coin ». Et puis un jour, j'irai sur cette tombe. J'irai la trouver. J'avais proposé à un de mes anciens professeurs qui dirige une revue d'histoire locale de faire un petit encart dans sa revue sur le chauffeur de Proust et sa tombe à Nice. Et maintenant, j'en suis à quasiment 300 pages et ce n'est pas fini, mais on va réduire tout ça. Et ce travail-là sera mon inédit d'habilitation à diriger des recherches. Alors, travail de recherche au départ et aussi travail de création et de récréation, c'est-à-dire que pour moi, aller sur cette tombe, c'était vraiment voilà, nouer un lien à peu près impossible à nouer entre Proust et l'endroit où je suis né, où je vis et que j'aime. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Le problème, c'est qu'à partir du moment où j'ai tiré ce fil, où je suis allé sur cette tombe, j'ai découvert qu'il y avait à l'intérieur des gens qui ne devaient pas y être, a priori. Et aussi, ça m'a permis de commencer à avoir des éléments concrets. Et donc là, j'ai entamé, à partir de quelque chose qui était purement récréatif, une recherche universitaire. Je me suis renseigné sur Alfred Agostinelli, auquel j'avais jamais prêté attention. Je me suis renseigné aussi, j'ai relu la recherche pour voir l'importance de l'amour, qui était quelque chose que j'avais laissé relativement de côté. Je savais qu'il était question d'amour dans la recherche du temps perdu, mais on ne peut pas dire que ça avait été un sujet de préoccupation. Et donc là commence un travail de recherche qui m'amène à développer des stratégies qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'utiliser dans les études de lettres. Enquête dans les archives, donc sur des documents d'état civil, dans les journaux, et aussi un usage un peu particulier du brouillon et des manuscrits pour essayer de saisir le lien entre ce qui est écrit et ce qui a pu être vécu. Donc la correspondance qu'on a l'habitude d'utiliser, mais aussi les journaux de l'époque, les archives qui permettent d'avoir des éléments objectifs, qui des fois promettent des choses et ne tiennent pas, et puis aussi donc un usage particulier du brouillon et du rapport entre la vie et l'œuvre. Et donc je mène cette enquête, et il y a aussi dans ce travail-là une dimension créative, c'est-à-dire qu'au moment de la promenade récréative autour de la tombe et dans le cimetière, je me dis, mais c'est quelque chose à filmer, c'est-à-dire que c'est un cimetière qui ressemble un peu au Père Lachaise, on va dire, disons quelque chose à mi-chemin entre le Père Lachaise et le cimetière marin de Valéry, puisque c'est pas très loin de la mer. Et donc il y a vraiment l'envie de filmer. Les premières notes autour de cette promenade et de cette recherche sont des notes visuelles. Donc articulation là aussi naturellement, je dirais, dans les deux sens, mais avec un poids de recherche important. Et puis donc au bout de quelques temps, je me retrouve avec un matériau accumulé assez important, avec des éléments assez importants aussi pour la compréhension de l'œuvre de Proust, de la jeunesse de son œuvre et aussi de sa vie. Et donc, je commence d'une part à produire des articles totalement universitaires, dont un a apparu récemment dans l'ouvrage qu'a dirigé Erika Fulop, d'autres dans le bulletin Marcel Proust, d'autres dans le cercle de Marcel Proust chez Champion. Donc, un travail universitaire et de recherche tout à fait banal, tel qu'on le connaît. Mais là intervient une partie un peu plus personnelle, c'est-à-dire qu'il y a aussi des rêves dans tout ça. Je parlerai de notre tout à l'heure. À l'issue d'une rencontre avec donc Alfred Agostinelli est mort dans un accident d'avion, et j'ai retrouvé à Antibes les descendants des personnes qui lui ont appris à voler, et sur un des avions de qui il a eu son accident. Et
Donc ce travail qui était construit comme un travail de recherche bute sur le fait, on sait que, enfin Proust prétend dans une lettre que Agostinelli s'était inscrit à Antibes sous le nom de Marcel Swann. Et donc j'espérais trouver un dossier avec toutes les inscriptions. Bon, tout ça a disparu. Et donc nous en parlons avec la famille des descendants. Et dans la nuit qui suit cette rencontre, et qui sanctionne l'impossibilité, au moins jusqu'à ce moment-là, parce que depuis j'ai résolu l'énigme, de Marcel Swann, je me réveille et j'ai dans la tête une sorte de prosopopée d'Alfred Agostinelli parlant à Proust, lui écrivant, et là je me dis, bon, on n'est pas du tout dans la recherche, et pour un chercheur, c'est quelque chose d'assez inquiétant. Le rêve qui suit sera encore plus inquiétant. Je me dis là, bon, mais tout de même, je réponds à cette demande-là. Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en même temps? On n'est pas, voilà, on peut pas. Alors, c'est une figure de style que j'identifie, mais je me dis, bon, je peux pas présenter ça dans un colloque, dans un article universitaire. On est bon, mais j'en prends acte. Mais et ça me donne aussi l'idée que ce texte-là, qui raconte quand même l'histoire de deux hommes, dont un écrivain, mérite d'être sorti, ou disons d'être enrichi au-delà de ce qu'on peut faire dans un travail universitaire. C'est-à-dire que la recherche, pour combler les blancs, et aussi pour remplir la vie qui est très difficile à faire exister dans un travail universitaire, mériterait d'être traitée autrement. Et donc, je réfléchis à tout ça, et c'est là que je vais vous faire subir donc une première version de ce qui n'est plus vraiment un travail de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Non. Comment faire pour que quelque chose se passe? D'accord. Donc peut-être quelque chose comme ça. Oui. Non. Moi j'avais pensé à ça. Là peut-être, ça ce serait bien. Ça change. Ça change, voilà. Alors, donc ça, c'est du coup, je me dis, bon, allez, on va écrire ça autrement. Et je décide de commencer le texte par ce qui a été pour moi le début, donc c'est la lecture de cette phrase, enfin cette phrase en tout cas, qui est dans la correspondance de Proust. Et il se trouve que, donc, elle est adressée à Madame Catus, qui a une villa, la tour au Mont-Bourron, qui est encore debout aujourd'hui, qui est une très très belle, très, très belle villa qui domine la mer. Et puis, je décide de parler de façon cryptée du moment où j'ai, pour la première fois, décidé d'aller voir cette tombe, qui était un jour d'orage avec des moments de soleil et de pluie. Et donc, ça donne ce début où j'évoque ces deux éléments-là, la lumière de Nice. Voilà. Et puis, j'essaie de parler aussi de ce qu'est Madame Catus. Voilà, et ça me donne un début qui ne me déplaît pas, qui est, dans lequel je me dis, voilà, il y a quelque chose à... Et du coup, j'arrange mes notes. Je ne suis pas encore à Aix-Marseille, donc je suis professeur en lycée, je n'ai pas de pression particulière, finalement, sur le plan universitaire, donc je peux me lancer dans un projet d'écriture d'un ouvrage, à la fois issu de mes recherches et en même temps qui... soit un récit autour de la vie de ces deux hommes, mais sans perdre de vue que je ne tiens pas à me faire romancier et à imaginer, comme d'autres ont imaginé la rencontre entre Proust et Joyce, qui a à peine eu lieu, et en fait 150 pages. Voilà, on n'est pas, pour citer un éditeur de François Bon, on n'est pas chez Fiction et compagnie, on va plutôt être chez Recherche et compagnie avec un petit peu de fiction. Donc, ça c'est la première étape, et j'ai avancé, disons, dans l'histoire de cette relation,
sur plusieurs mois. Ça m'a pris 2 étés. L'idée vient de travailler encore un petit peu plus là-dessus. Et peut-être, plutôt, puisque j'ai voulu parler de moi, d'aller davantage, alors de faire un essai en parlant, donc ça c'est en août 2014, d'aller davantage vers le récit de l'enquêteur autant que de l'enquête. Et donc là, on a un autre début, et disons un autre début beaucoup plus création littéraire. Entre-temps, donc, mes collègues de l'université d'Aix-Marseille m'ont fait confiance, et donc je suis dans une démarche davantage de création. Je n'ai toujours pas envie de passer du côté du roman, parce que cela risquerait de dévaloriser le travail de recherche qui est derrière, donc, et que je continue à mener. Et en même temps, je me dis, voilà, il faut essayer de donner une dimension, d'aller chercher du côté de la création quelque chose d'autre. Et ça donne ce début-là, où il est question davantage de moi, où j'explique pourquoi je cite cette phrase sur la tombe au cimetière de Nice. Voilà. Et ensuite, on revient sur des choses qui étaient dans le précédent texte. Bon, et là, je dois dire que je ne suis pas vraiment satisfait et que je me dis, mais la matière qui concerne l'enquêteur lui-même va totalement vampiriser le reste. Et puis finalement, on n'en a rien à faire. Et je ne suis, heureusement pour moi, pas Christine Angot. Donc, on va passer... Voilà. Bon, mais je laisse la chose en suspens. Et entre-temps, avec Isabelle Sersa de l'Université de Toulouse, qui est proustienne, et qui a été attentive à ce travail sur Agostinelli, naît l'idée que ce texte-là pourrait devenir l'inédit d'une HDR. Et elle me fait, en chercheur et en bonne marraine, elle se penche sur le berceau donc, de ce livre, et elle me dit, mais est-ce que tu es allé voir ce que c'était qu'une biographie? Est-ce que tu es allé lire de la théorie sur la biographie? Bon, là je reconnais que ce que je sais de tout ça est très approximatif. Et donc, de nouveau, après... récréation, création un petit peu, recherche, puis création, et là, retour à la recherche, c'est-à-dire que là, je lis énormément d'ouvrages, d'articles sur la biographie, sur la biographie, sur le rapport entre fiction et narration, entre narration et recherche, je vous fais grâce de beaucoup de choses, notamment, ce que cela me permet de comprendre. Donc je lis notamment l'ouvrage de Martine Boyer-Weinmann qui s'intitule « La relation biographique » et aussi l'ouvrage de Dorit Kant qui s'intitule « Le propre de la fiction ». Et j'en retire, pour résumer vraiment, 2 choses. La première, c'est que ce qui va différencier la fiction d'un autre type de texte, du texte savant, c'est une homogénéité du texte de fiction, c'est-à-dire que le texte de fiction n'est pas a priori crevé par la citation, la note de bas de page, et le commentaire, la justification, alors que le texte savant, lui, subit cet éclatement, ce manque d'homogénéité. Et d'autre part, c'est l'importance des seuils. Et là, je me pose la question, je me dis, ben oui, ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, t'es sur un incipit, j'ai oublié de le dire, renoncé à l'idée d'une introduction qui au départ s'était posée pour un livre universitaire et qui là, assez vite, je me suis dit non, il n'y a pas d'intro dans ce genre de livre, donc on l'enlève. Et là, je me dis oui, ce début, c'est un seuil, hein, au sens où Jeunette l'entend, c'est-à-dire au sens où on donne des signes au début, pour savoir où on est, où on va, qui on est, quel est le contrat et le pacte de lecture. Et quand je vois la difficulté du projet, la nécessité de donner tout un tas d'informations dans ces seuils, je me dis, bon, ça va être très difficile de faire tenir tout ça, c'est-à-dire de faire tenir à la fois le fait que je suis là dans ce texte en tant qu'enquêteur et que je parle de mon travail de chercheur, que c'est un travail rigoureux et qu'en même temps c'est un travail de création et que c'est un travail ouvert sur des choses qui ne sont pas nécessairement habituelles dans le monde de la recherche.
Et là, je cite par exemple pour le travail d'Ivan Jablonka, l'histoire est une littérature contemporaine, et le travail, ce qu'il en a fait pratiquement dans l'histoire des grands-parents, que je n'ai pas eu. Et puis, je me dis, bon, on reporte ça à plus tard, je vais continuer mes recherches, je vais finir le travail, et puis je reviendrai sur le seuil. Et à ce moment-là, un éditeur d'une grande maison française me dit, mais ce que vous faites là est intéressant, est-ce que vous pourriez nous montrer quelque chose? Et c'est le genre d'offre qu'on peut difficilement refuser, donc je l'accepte, et je me retrouve un peu au pied du mur en disant, bon, je peux envoyer plusieurs choses, je ne peux pas envoyer tout parce que ce n'est pas fini, et j'aimerais quand même envoyer le début parce que c'est là que tout est fait. Donc je me retrouve un peu l'épée dans les reins à devoir faire ce seuil. Et donc ça, c'est tout récent. Et entre-temps, je suis allé lire le début de Naissance de la clinique de Foucault, et j'ai vu que c'était donc d'une part un texte extrêmement fort dans sa forme, et aussi qu'il était question de quelqu'un qui trempe dans l'eau, comme Alfred Agostinelli. Je me suis dit, plutôt que de partir de moi et du début de ce qui m'a amené à partir, je vais partir de lui. Et donc ça donne cet incipit qui est différent, et je parle de lui, de ce qu'il a fait. Et puis aussi assez vite, hein, il est question de lui dans les pages qui suivent, donc du projet, c'est-à-dire j'essaie de remplir le contrat théorique du seuil tel que je me le suis formulé à la lecture d'ouvrages de recherche sur la biographie. Et en même temps, il faut aussi arriver à parler de la question de ce qu'on peut dire. Et bien sûr, me vient à l'esprit le récit de Céleste Albaré, qui n'était pas sur la plage, qui ne pouvait pas savoir si les yeux avaient vraiment été mangés par les poissons. Et cela va pouvoir me permettre ensuite de revenir là-dessus. Alors là, il y a des modifications que j'ai faites hier soir, mais qui n'apparaissent pas dans cette version. Et donc j'espère avoir réussi là-dedans à sortir de la deuxième version où vraiment là je parlais beaucoup de moi et où ce n'était pas intéressant, avoir par la lecture des travaux de recherche réussi à trouver ce qu'entend qu'auteur je devais faire à ce moment-là du texte, c'est-à-dire quel était en gros mon contrat, quel était un peu le devis que l'écriture m'obligeait à remplir. Voilà, et donc parler, et donc ne pas éviter, mais puisqu'il s'agit de parler de moi, autant en parler dans ce qui me touche et dans ce qui a motivé que je m'intéresse, alors qu'au départ ce n'était pas des thèmes qui me préoccupaient, à l'amour chez Proust, à Alfred Agostinelli et à cette histoire. Donc c'est un exemple de ce va-et-vient entre recherche d'un côté et création de l'autre. Alors je voudrais en montrer un autre qui n'a rien à voir. Je vous parlais d'images, j'ai encore un petit peu de... Non, j'ai déjà largement exposé le temps. Au point où on en est, d'accord. Bon, donc je vous donne deux exemples rapidement. Je vous avais parlé d'un rêve, j'en ai fait un autre, qui est encore pire que le premier. Donc au moment où j'étais souvent dans les archives, dans la poussière, c'est extrêmement déprimant pour un littéraire d'aller dans ces endroits-là, parce que c'est du texte très pauvre. Et donc une nuit, je rêve que je suis avec la plus petite de mes filles et qu'on se promène dans un supermarché qui a un rayonnage immense de boîtes de cornets de bif, et on en ouvre une, et à l'intérieur il y a un morceau du corps d'Alfred Agostinelli. Et là je dis, bon, c'est bon, j'ai d'autres choses à pouvoir m'occuper, on ouvre toutes les boîtes et chaque fois il y a un petit morceau, donc j'arrête. Donc deuxième, là je laisse tomber, je dis, et donc pendant à peu près un an je n'ai plus fait de recherche là-dessus, j'ai dit il est hors de question que je continue ça, vraiment c'est terrible. Et j'en parle à une amie qui s'intéresse aux rêves, qui n'est pas du tout psychanalyste, et elle me dit, non, mais il y a quelque chose, il faut que tu cherches de ce côté-là. Et ça vous donne un peu une idée de ce qui est notre travail quand on est sur des brouillons Proust. Vous voyez, ça, c'est un brouillon gentil, encore. C'est pas bien méchant. Et donc, je suis allé chercher du côté de ce qu'on appelle les reliquats, c'est-à-dire
des cartons dans lesquels on a entassé des pages et des pages dont on ne sait pas vraiment à quoi elles se rattachent dans la recherche. Et donc, voilà, je vais fouiller là-dedans. Et je suis à la recherche de ces éléments qui sont de l'écriture, qui sont de la littérature, mais qui en même temps renvoient à une relation. Et je me dis, bon, je ne vais jamais m'en sortir. Et donc, je commence à faire un montage avec les passages qui m'intéressent. Et au départ, vous voyez, bon, la note qui est en bas, c'est voir au besoin ce qui est en dessous, la suite de l'addition, parce que bon, la génétique, c'est extrêmement chronophage. Et je me dis, j'aurais peut-être jamais le temps de le voir, mais au moins, je me fais un fichier. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, tu es en train de faire ce dont tu avais rêvé. C'est-à-dire, tu es en train de reconstituer les morceaux d'Alfred qui étaient dans les boîtes, ce qui était dans le corps. Là, tu vas le chercher. Et du coup, je me dis, mais là, il y a quelque chose de créatif. Et je m'intéresse davantage donc à ce qui était là. À propos d'Albertine, le narrateur dit « Ce qui, comme c'était le cas pour nous deux, aime la mer », c'est une phrase qui s'applique au narrateur et à Albertine, et c'est une phrase qui pourrait s'appliquer à Alfred Agostinelli et à Proust. Et donc, je continue, et je n'exclus pas un jour de faire de ça, donc de ces fragments, quelque chose qui soit du domaine du visuel, de l'audiovisuel, qui seraient les morceaux d'Alfred et qui là seraient pleinement, alors que je le fasse tout seul ou avec un artiste dont c'est le métier, un travail de création. Mais un travail de création vraiment issu de la recherche. Alors la dernière chose, comme je pense que vous avez tous faim, je vais vous parler de cuisine. Ça nous fera du bien. C'est un quatrième, donc ça c'est la troisième formule possible. La quatrième, elle concerne un travail fini où on arrête. C'est parce que je vais parler de Houellebecq et il ne veut pas en fait, il le sait depuis ce matin. Non, j'arrête si vous voulez. Il est 1h30. On peut continuer à table puisqu'il sera la question de cuisine. Après, mettre en effet l'intervention. Voilà. Pardon ? Moi, je propose qu'on discute à table. Non. Oui, c'est 14h30 pour garder bien l'équilibre. Oui, qu'on ne prenne pas trop, qu'on rattrape un peu le retard. Merci.